Mais qu'est-ce que vous avez? Il y a quelque chose qui va pas? C'est le seigneur Lédégan qui m'a fait une réflexion ce matin. Depuis ça tourne, je me monte le bourrichon. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Cette petite histoire comme quoi le roi veut me nommer responsable de la sécurité des postes frontières. Eh ben? Là-dessus, Lédégan tape du poing sur la table. Il fait comme ça que, comme responsable, il préfère encore nommer une vieille galeuse paralytique. Ah, du coup, vous l'avez mal pris. C'était pas dit méchamment, mais vous savez ce que c'est. On a son petit orgueil. Moi, je trouve que vous êtes trop souvent la victime des colibets. Des colibets. Il y a trop de gens à Camelot qui oublient que vous êtes un vrai chevalier. Ça, c'est sûr. Je crois que vous devriez aller voir le roi et lui dire qu'il faudrait qu'on commence à vous considérer en tant que tel. Ah bon? Vous savez, Zir, j'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Comment? Comment? Vous considérez en tant que... J'ai pas compris. Me considérer en tant que tel. En tant que tel quoi? Parce que je trouve que je suis souvent victime des colifichés quand même. C'est pas normal. Victime des... Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Je vous disais que j'étais victime des colifichés et qu'il faudrait qu'on commence à me considérer en tant que tel. C'est pas clair, c'est ça? Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Colifiché par exemple, qu'est-ce que c'est pour vous? Comment vous le représentez, colifiché? Colifiché c'est quelqu'un qui... Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Quelqu'un qui dit du mal d'une personne? Non mais non, c'est pas ça. Comment on dit alors? Comment on dit quoi? Putain, non, ça y est, j'en ai marre là. Une personne qui dit du mal d'une personne qui commence par colis. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Non mais je me gourre de mots, c'est pas colibri. Qu'est-ce qui est pas colibri? Un type qui dit du mal d'un autre. Un colibri c'est un oiseau. C'est peut-être une expression à base d'oiseau. On dit bien une alouette pour une fille qui dépense et qui n'arrive pas à faire des économies. Mais personne dit ça. Vous avez jamais entendu dire, celle-là tu parles d'une alouette? Jamais de la vie. Ou alors quelqu'un qui oublie toujours tout, c'est bien une tête d'épingle. Sauf que là c'est pas un oiseau. Une tête de linotte. Qu'est-ce que c'est que ça une linotte? Un oiseau. Qu'est-ce que je disais? Donc pour résumer, je suis souvent victime des colibris. Sous-entendu, des types qui oublient toujours tout. Non. Bref, tout ça pour dire que je voudrais bien qu'on me considère en tant que tel. Bon, je vais voir ce que je peux faire.